Hello, hello. Ouais, heureux. Ça va? Impeccable. Bon. Re-hello, Christophe. Bonjour. Re-bonjour. Bonjour, re-bonjour. Là, dans Alors, les ateliers, on a Loïc de dos. ouais, toujours, ouais. Toujours là. C'est bien, on va pouvoir apprécier sa Sa gestuelle, calvitie sa... naissante. Ouais. Non. Son côté hyper décontracté aussi. Ouais. En train d'essayer d'appuyer sur... C'est Quelle quoi le nom? installation? Oh, Lolo, ça va. Fatou, vous venez de... Vous êtes d'où? Vous êtes où là présentement? Bonjour, je suis à Dakar, au Sénégal. Ouais. Alors moi, je reviens d'un voyage en Guinée, en fait. Waouh, c'est vrai. Ouais, je suis allée en Guinée, j'ai eu cette chance-là, j'ai donné des... Je suis allée à l'Université française de Guinée, donc, et en Guinée, parallèlement à ça, Conakry, Bissau. Conakry, ouais. C'est mon pays, hein. Ma grand-mère était guinéenne. C'est vrai? Ah, génial. Oui. Et je suis tombée, enfin, j'ai trouvé les gens, mais tellement gentils. Oui, Et ils on sont est allé super. faire une mission humanitaire dans un orphelinat, en fait. Wow, Voilà. Et super. donc, Merci. le retour a été... voilà. La prochaine fois, ce sera déviation vers Dakar. Bah, en fait, ouais, j'ai beaucoup aimé l'Afrique, la relation simple entre les gens, vraiment, parce que quelque chose qui est important pour moi, et du coup, je me suis sentie comme un poisson dans l'eau, en Ouais. fait. Voilà. Donc, Dakar, ouais, Dakar. D'accord, ce serait Bien. plus fort. Ah, je ne sais pas, mais bah, la Guinée, alors je ne connaissais pas, hein, c'est vrai que c'est un Faut pays. tester. La teranga sénégalaise, c'est universel. J'ai goûté au tiboudienne qui est patrimoine national maintenant. Ouais. Patrimoine mondial, oui, plutôt. Bon, maintenant que je suis vaccinée avec la fièvre jaune, c'est bon, voilà, donc super. Enchantée. Et alors, comment vous avez connu cet événement, du coup, LinkedIn. sur LinkedIn, d'accord? Oui. Ok. Et vous faites quoi, vous, à Dakar, là? Bon, présentement, je suis en stage Ok. en tant que qualiticienne. D'accord. Voilà. Voilà, alors l'atelier, qui fait l'atelier? Enfin, voilà, parce que je crois qu'on était C'est plusieurs à toi. faire cet atelier, le sujet. L'atelier, donc, est-ce que nous allons avoir d'autres personnes avec nous ou pas? J'espère bien. Oui. Bon, vous me direz, ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. Et donc là, je crois que déjà, sur ce terrain-là, on est au complet. Voilà. Donc, après, voir, bon, on y va, qu'est-ce que... Parce que, du coup, moi, je pensais que Loïc m'avait dit qu'on était plusieurs, mais bon, écoutez. Alors, je vais commencer l'atelier, et puis on pourra les rejoindre si toutefois nous avons fini avant. La différence, c'est quelque chose dont on parle beaucoup. La différence, c'est quelque chose qui finalement rime avec évidence. Il y a une évidence dans la vie, on sait tous qu'on n'est pas parfait, même si notre quête, enfin, c'est pas la mienne, mais si parfois la quête du perfectionnisme nous en titille certains, même si depuis qu'on est le plus jeune, on sait bien que personne n'est parfait, fort heureusement, c'est notre marge de progression. Et pour autant, il y a notre société, elle est un peu schizophrène, je trouve, parce que elle nous pousse à accepter notre différence et en même temps, elle aime tellement nous mettre dans un cadre. Et donc, quand on n'est pas dans un cadre, on a l'impression, on parlait d'être disruptif ce matin, mais et il y a cette espèce d'ambivalence, je trouve, entre accepter d'être tel que l'on est, dans sa différence, et en même temps, dès qu'on sort du cadre, les gens sont perdus. Je le sais d'autant plus que, enfin, je l'expérimente, puisque moi, j'ai toujours du mal à rentrer en quelques caractères cette bio dans LinkedIn, parce que peut-être que je suis une multipotentielle, une slasheuse, comme on dit. Moi, je dirais tout simplement que je suis un peu instable et que j'aime faire beaucoup de choses, donc c'est moins fun. Mais finalement, je suis une boulimique de la vie et donc je ne suis pas sûre d'en avoir une autre, donc je vis pleinement celle-ci. Ce qui fait qu'on va être vite dans du hors-cadre, en fait, puisque forcément, quand on a envie d'expérimenter plein de choses. Alors,
J'ai souvent culpabilisé dans mon plus jeune âge. J'avais la chance d'avoir 50 ans aujourd'hui. Et puis, j'ai souvent, finalement, je trouve que quand on s'aligne avec vraiment ce qu'on veut être, eh bien, on arrive à être aligné avec ce qu'on veut et surtout avec ce que l'on est. Alors, cet atelier, j'en avais eu connaissance et je ne savais pas dans quelle mesure j'allais l'animer, mais j'avais anticipé. En fait, j'ai acheté deux Kinder pour alimenter ce... Vous aimez les Kinder? Voilà. Il y a un petit côté Madeleine de Proust dans le Kinder, hein. Il y a un peu le côté Madeleine de Proust parce que finalement, moi, le Kinder, quand j'étais petite, c'était tout nouveau, quoi. Je me rappelle, on allait acheter l'œuf avec mon père. Voilà. Et ça marche toujours, comme quoi il y a des recettes qui fonctionnent. Donc, bien, ce Kinder, admettons que ce soit deux personnes qui soient habillées pareil, avec un esprit de mode, les gens se ressemblent. Alors, on pourrait coiffer ce Kinder si je lui mets ça, voilà, dans l'apparence, il commence différent. Ça sera l'habillage du Kinder. D'accord? Voilà. Les Kinder, si je les dépiote, qu'est-ce qu'on va y trouver? Je vais être obligée de les manger après, hein. Je me dévouerai. C'est scandaleux ce que tu fais. Hein. Ouais, c'est scandaleux. C'est bien le scandale. Il n'y avait pas une pub comme ça. Scandale. Voilà. Elle était peut-être un peu plus érotique. Moi, c'est juste Les qu'avec pubs un où œuf on au effeuille chocolat. quelque chose, c'est rarement des Kinder quand même. Ça. Tu vois, c'est ça la différence. Elle commence là. Eh bien, on a deux œufs Kinder. Une fois que j'ai enlevé l'habillage, eh bien, de façon pure, finalement, ils se ressemblent. Ils se ressemblent et on pourrait dire qu'on est tous des êtres humains avec une tête de bras, deux jambes, parfois un peu moins, tels que sont ces deux œufs en chocolat. Et en fait, la différence, c'est quoi? Eh bien, la différence, c'est quoi? C'est avoir le courage d'aller chercher ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, là, on va aller chercher ce qu'il y a à l'intérieur. Jean Monnet, il a ressuscité ou il s'appelle vraiment Jean Monnet? Non, comme on était au lycée. Jean Monnet, ça me fait rire. Je pense que c'est la salle du lycée qui s'est Voilà, connectée. faire la différence avec un humour à deux balles, c'est tout moi, j'assume. Alors, et en fait, hein, eh bien, on va ouvrir. Et qu'est-ce qu'on a là? Eh bien, on a un crocodile. Alors, je ne vais pas vous le monter parce que vous savez, les Kinder, des fois, ça a l'air tout simple, mais il faut 3 heures à les monter. Là, j'ai un crocodile. Et en fait, là, Et j'ai dans un l'autre pingouin. aussi, pas de bol. Ah. Voilà, j'ai un petit pingouin. Pourquoi cette démonstration? Bah parce que tout simplement, c'est pour se dire qu'en apparence, on peut avoir quelques différences vestimentaires, etc., de corps, de peau, d'esthétique. Au final, ben, on est tous pareils, une tête, deux jambes, deux bras et parfois un peu moins. Et moi, ce qui me fascine vraiment, ce qui me fascine, eh bien, c'est cet effet Kinder, c'est-à-dire d'aller chercher qui on est à l'intérieur et pouvoir être en accord avec ça parce que c'est là la surprise. Alors, la surprise vis-à-vis des autres et aussi oser se surprendre soi-même. Et en fait, la différence, moi, aujourd'hui, à 50 ans, bon, ça fait 20 ans que je dirige un centre de formation, je le dis avec un peu peut-être d'effet de routine parce que c'est mon métier et je l'adore, mais c'est surtout que j'avais un rêve, j'avais le rêve de monter sur scène et à 50 ans, je me suis offert ce rêve. Et pour les gens, en fait, et donc je fais un one-woman show depuis 2 ans qui s'appelle Ta gueule. Et ta gueule, c'est quoi? Tu étais là ce matin, ta gueule, c'est arrêter d'écouter ces petites voix intérieures qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Ces petites voix intérieures, alors sur scène, cette voix, c'est une chaussette noire, en fait, qui me parle et qui vient me dire des méchancetés, quoi, pas gentille. Hein. Et on en a tous qui nous empêchent d'être nous-mêmes parce que qu'est-ce que les autres vont penser? Alors, bah, comment on devient nous-mêmes? Parce qu'une fois qu'on a dit ça, finalement, comment on va faire avancer le schmilblick? Eh bien, c'est aussi une façon, je pense, d'être en accord avec soi-même, d'aller chercher ce qu'on a à l'intérieur. Comment on va y aller? Bah, avec ses valeurs. Moi, j'ai toujours dit, un réseau dans lequel qui ne me convient pas, c'est un réseau dans lequel je ne me sens pas bien. À partir du moment où on ne peut pas être pleinement soi-même quand on est quelque part, eh bien, c'est que quelque part, on se bride. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'on va faire tourner les serviettes et monter sur les tables à chaque réunion, mais on sent, on a cette dimension intuitive qui nous dit quand on est là où on doit être et quand on est là où on ne doit pas être, où on est moins bien. J'ai beaucoup parlé avec des jeunes de moins de 30 ans, 25 ans, puisque mes enfants ont cet âge-là. Et souvent, je leur dis, mais pourquoi, tiens, vous n'êtes pas sur LinkedIn, pourquoi vous n'êtes pas sur LinkedIn? Et souvent, les jeunes de 25 ans me disent, bah, tu sais, sur LinkedIn, on s'enquiquine un peu, puis vous êtes toujours en train tous de vous passer la pommade, machin, tout le monde est beau. Hein. Et en fait, on s'ennuie. Bah ouais, on s'ennuie. Bah ouais, parce que et c'est ce que j'ai dit ce matin à la keynote, c'est que quelque part, bah, on essaie d'être formaté. Prenez les 20 photos de profil des gens sur LinkedIn, les 20 photos. Bah, souvent, elles sont en noir et blanc, les gens sont de profil, enfin voilà.
insipide. Ah, c'est parce qu'il faut une photo pro. Il faut que tout le monde se ressemble. Et en même temps qu'on dit, il faut que chacun soit différent, authentique et sincère. Bah ouais. Donc, on va retrouver une espèce de similitude, de clonisme dans les photos. Alors, ce qui va être difficile, et pour autant, je crois que la différence, elle va amener de la diversité. Moi, je crois beaucoup en la diversité. Cette diversité, elle va nous amener vers d'autres angles de réflexion, elle va nous amener vers de l'humour, vers du sérieux, vers du technique, vers du pratique, sur du cœur, de l'émotion aussi. Et je crois que la diversité, elle nous permet aussi de nous ouvrir et d'ouvrir les réseaux. Moi, je suis une femme de réseau. Quand je dis je suis une femme de réseau, j'ai toujours aimé aller dans plusieurs réseaux parce que j'aime rencontrer les gens et j'ai jamais voulu m'enfermer dans un réseau. Mais toujours avec ce que je suis. Voilà, alors bien sûr, on s'adapte. Hein. L'adaptation est la première forme d'intelligence, bien évidemment. Mais en fait, qu'est-ce qui est important? Aller chercher ses valeurs, aller chercher son style, trouver son style et l'assumer, l'affirmer. Alors ça vient peut-être avec le temps. On se détache aussi certainement du regard des autres avec le temps. Ça aide. Il faut au moins, si vieillir peut au moins nous apporter ça, bah, c'est pas mal. Mais voilà, comment. Et quel que soit, j'ai envie de dire, son genre, quelle que soit sa nationalité, quelle que soit, et assumons ça pour aussi véhiculer ça et faire en sorte que les réseaux, qu'ils soient physiques ou virtuels, eh bien, soient imprégnés, eh bien, de tout cela, parce que sinon, si à chaque fois qu'on poste quelque chose, si à chaque fois qu'on va s'exprimer, ben on se dit non parce que je ne rentre pas dans le cadre, eh bien on ne fait que se conforter au cadre. Alors peut-être qu'on va avoir une pensée différente. Et puis le fait de pouvoir s'exprimer hors du cadre, d'afficher qui l'on est, ben ça permet de s'exprimer à tort ou à raison, mais ça permet de s'exprimer. Et je crois que plus on s'exprime, ça fait qu'on communique. Et plus on communique, eh bien finalement on a moins de rancœur aussi. Et plus on se rapproche de qui on est, ben, mieux on se sent. Voilà. Donc, et je crois à tous les niveaux, quel que soit l'homme ou la femme que l'on soit, osons. Alors, oser, c'est un mot qui est un peu galvaudé, qu'on met à toutes les sauces, mais quelque part, ça peut passer par juste poster quelque chose qu'on a envie de poster, juste une vidéo qu'on a envie de faire, et même si c'est une vidéo de merde, quoi. Bah ouais, ok, elle n'est pas dans le cadre, elle n'est pas machin, mais j'ai envie de la faire. Bah, si j'ai envie de la faire, je la fais, point. Voilà, c'est aussi ça, s'assumer. Parce que souvent, il y a les censeurs. Et moi, ce que je déplore parfois sur les réseaux sociaux, c'est un peu cette censure du fais pas ci, fais pas ça, fais pas comme ça. Voilà. Bah, alors, on peut avoir des conseils, certainement, souvent, performer, s'améliorer. Mais cela dit, s'assumer aussi tel que l'on est. Ça permet d'enrichir les relations humaines. Alors, ça, c'est mon point de vue, hein, c'est mon parti pris. Qui n'est que mon parti pris. Voilà, donc si vous voulez renchérir, me contredire, abonder, allez-y. Voilà, et puis. Non, c'est pas gentil ça. C'est pas gentil. Voilà. Des commentaires, allez-y, on parle, hein. Moi, si j'avais quelque chose à dire, ouais, je suis connecté, vous m'entendez? Ouais. Donc le thème, c'était comment faire la différence avec sa différence, c'est ça? Donc c'est vrai que, alors je te rejoins sur beaucoup de choses. Et c'est vrai que, bon, de par mon travail, puisque je travaille dans une compagnie d'assurance, j'essaye de faire différemment des autres. Donc malheureusement ou heureusement, c'est vrai qu'on est sur un réseau professionnel, LinkedIn, où c'est vrai que c'est assez formaté, mais néanmoins, on essaye quand même. Alors après, chacun son réseau. Chacun son réseau, et je pense que chacun son produit, chacun sa finalité, chacun ses objectifs. Chacun sa façon de faire, en toute liberté, comme tu as pu t'exprimer. Moi, ce que j'essaye de faire avec ma petite expérience, je ne suis pas au niveau dont vous êtes vous, c'est de tout le temps de se différencier. Et pour se différencier, c'est d'être déjà authentique. Donc là, je vais dans ton sens où tu es réellement ce que toi tu as envie d'être. Et tu éclates ces barrières parfois morales qui te disent
Non, non, ça ne le fait pas parce que ce n'est pas si bien que ça. Donc, c'est de pouvoir se lâcher. Alors, parfois, on se lâche de façon mesurée sur certains réseaux. Oui. Mais on essaye avant tout. Moi, la finalité, c'est d'être pas comme les autres. Alors, d'être moi-même, de véhiculer une image qui est celle que je peux véhiculer hors réseau, en faisant des témoignages avec des clients, sur mon métier, sur ce que j'ai à proposer comme solution. Et je me rends compte que, déjà que ça nous conforte, ça nous permet aussi, parce que les réseaux, c'est l'art et la manière de mieux se vendre, de mieux se faire acheter aussi. Ça permet aussi aux gens de nous connaître et puis finalement de se dire, tel que je l'ai vu dans la vidéo, en vrai, il est aussi comme ça. Et je suis à l'opposé de ce que parfois, alors là je te rejoins à 1000%, comme Louis, comme d'autres grands professionnels que vous êtes, ou parfois dans des grandes compagnies comme celle dans laquelle je suis salarié, on nous conditionne parce qu'il y a le marketing, parce qu'il y a la communication. Attention, si on va sur tel réseau, on veut véhiculer telle image, tel sens pour la mutuelle. Et là, en fait, on ne va rien du tout. Je veux dire, on va uniquement que quelque part de la marque employeur ou de la notoriété, comme on peut passer de la pub sur TF1, ou etc., etc. Voilà, donc moi, les réseaux sociaux, c'est, si je reprends, comment faire la différence avec sa différence, c'est être authentique, mais oser. Il faut beaucoup, beaucoup oser, casser les barrières et justement se les enlever, et puis donner un aperçu aux gens de qui on est, et que ceux qui vont retrouver sur le réseau et dans la réalité des choses, c'est ceux qui l'ont vu ou pu entendre. Parce qu'en plus, je pense qu'à un moment donné, le fait de s'inscrire là-dedans, ça décomplexe les gens aussi. C'est-à-dire que quand on se met dans ce moule-là, comme ça, du coup, on se sent moins à l'aise puisqu'on est étriqué par la pensée, par ce qu'on ose faire, pas faire. À partir du moment, et ça, je l'ai observé, notamment avec le spectacle, c'est que quand tu commences à avoir cette parole qui va t'être… Alors, moi, comment elle est ma différence, pour être très concrète, en fait. Je suis quelqu'un, voilà, je mets de l'amour et de l'humour dans tout ce que je fais. Voilà, donc j'utilise de l'humour. Alors, des fois, ça ne fait pas rire, même moi, mais je m'y essaie. Et puis, c'est toujours beaucoup de… Voilà, parce que j'aime faire ce que je fais. Et puis, ça va être ma marque de fabrique. Donc, rester une heure et demie très sérieuse autour d'une table, ça m'emmerde. Et puis, voilà, je ne sais pas faire ça. Pour autant… Je suis capable d'aborder des sujets très sérieux. Et finalement, on voit quand on amène ça dans une réunion sur un réseau social ou tel, eh bien, c'est que les gens, ils viennent un peu là-dedans aussi. Parce que finalement, allez, on va un peu baisser le masque, on va laisser tomber ça. Et on va être tout à fait en capacité de résoudre et d'aller chercher des solutions. Et donc, les gens se décomplexent aussi, finalement. Parce qu'ils se disent, tiens, elle, si elle y va, elle nous fait du bien. Ou lui, il a osé ça. Ah, tiens, je peux le faire aussi. Et on a une espèce d'influence aussi qui va arriver comme ça. Et on se rend compte quand même, et ça, je me rends compte, et ça me fait super plaisir quand même. Hein. C'est quand même, alors, aider peut-être des 2 années de merde qu'on vient de passer, cloisonner chez nous, et puis qui nous arrive, c'est qu'à un moment donné, on a aussi envie de simplicité, quoi. Voilà, on a aussi envie de… allez, quoi, on est bien, on est ensemble, on va passer un bon moment et soyons qui on est, quoi, voilà. Et finalement, on se rend compte que quand on est qui on est quand même des gens assez bien, quoi. Et la simplicité, ce que tu dis, l'authenticité, quoi, allez, on souffle, quoi. On arrête de se frotter le nombril tous les matins, quoi, un peu. C'est ça. Exact. Voilà. Estelle, oui. Voilà, ça va? Oui, ça va très bien. Un peu de légèreté, ça fait du bien. C'est ça. Voilà. Et oui.
Voilà. C'est toujours ce que je dis, avec ma corpulence, amener de la légèreté, c'est quand même un grand paradoxe. C'est vrai. Il en faut de la légèreté. Il en faut. Elle est nécessaire, je crois. Voilà. Pas si quelqu'un qui prend. Non, moi, j'adhère. J'adhère complètement à tout ça. En même temps, je pense qu'il y a des personnes qui aiment rester discrètes et que cette espèce de dictature qui pourrait être ressentie comme dictature sur « ose, exprime-toi, sois toi-même » ne convient pas forcément à tout le monde. Et réciproquement, je pense que si on pense emploi et également recherche d'emploi et bien dans la société, dans l'entreprise pour laquelle on bosse, je pense qu'il y a des entreprises aujourd'hui qui ne sont pas prêtes à laisser les gens s'exprimer et à être eux-mêmes et qui cherchent plutôt des profils qui sont des gens qui vont bien faire leur boulot, mais qui ne vont pas sortir, des plates-bandes. Et je pense que ce qui est important, c'est de savoir qui on est. Est-ce que vraiment on a ce besoin de se différencier, ou est-ce que plutôt on aime être un bon soldat loyal qui suit les directives que l'on donne. Et ça, c'est un aiguillage hyper important pour s'orienter vers un type d'entreprise ou une autre. Si je caricature, et je suis conscient que je caricature énormément, mais plus une structure va être grosse et importante, et plus il va y avoir d'employés, plus cette structure va fonctionner plutôt selon les process de l'entreprise que selon la personnalité des gens. Et réciproquement, dans les structures beaucoup plus humaines, justement, la personnalité des gens va certainement compter plus que les process, parce que des fois, il n'y a même pas de process, il n'y a pas de process du tout. Et je pense que c'est important de trouver l'adéquation en termes de type d'entreprise et de personnalité. Et moi, si je me mets à la place des élèves de Jean Monnet, si on m'avait dit 18-20 balais, il faut que tu exprimes qui tu es et machin. Je ne suis pas sûr, j'aurais été super à l'aise parce que je n'étais pas sûr d'avoir la réponse. Ouais. D'autant que le cursus scolaire ne nous aide pas à travailler justement ça. On apprend beaucoup de hard skills. On ne va pas recommencer le couplet sur les soft skills. Ouais, ouais. Mais il y a quand même pas mal d'outils aujourd'hui qui permettent de se découvrir un peu plus. Moi, j'ai beaucoup appris sur moi avec des trucs comme le MBTI ou le HBDI, oui, ou MBTI et HBDI, enfin, comment, je ne sais pas comment on veut le prononcer, qui sont des outils qui déterminent votre personnalité, qui vous aident à comprendre qui vous êtes, avec qui vous allez pouvoir bien bosser, avec qui vous allez avoir du mal à bosser. Et j'encourage tout le monde, avant de chercher un boulot, déjà de déterminer ça, parce que ça permet aussi de se poser des questions par rapport à l'entreprise et ce dont on va avoir besoin pour être à l'aise cette entreprise. Si on a besoin de pouvoir s'exprimer personnellement, etc., etc., il faut que l'entreprise laisse ça. Et au travers d'outils comme Glassdoor ou d'autres outils, on peut avoir une bonne idée de ce que l'entreprise laisse comme liberté. Donc, moi, je pense que ce n'est pas obligatoire d'être soi-même et de s'exprimer. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Et que, bon, en revanche, si on a envie de s'exprimer, il faut le faire. Hein. Voilà. Après, l'idée, c'est c'est déjà de ne pas aller dans la dictature, parce que je dirais même qu'on est dans. Il peut y en avoir plusieurs, hein, la dictature de oser, de s'affirmer, de se montrer, de réussir, de toujours aller plus haut, la performance, etc. Parce qu'on a des dictatures, il pourrait y en avoir plusieurs. Après. Je pense que l'idée, c'est aussi de se dire, quand on dit se connaître soi-même, c'est de se dire, soit j'ai envie d'y aller et d'aller dans l'expression de moi et d'y aller de façon extravertie, ou pas du tout, et mais que ce soit d'un côté ou de l'autre, être fidèle finalement à ce que l'on est. Et être fidèle à ce que l'on est, c'est pas aller que d'un côté, c'est d'arriver à savoir de quel côté je serai le mieux, en sachant qu'en plus,
en sachant qu'en plus, ce qui va être vrai à 20 ans ne le sera pas à 30, ne le sera pas à 50, parce qu'on chemine aussi. Et on peut très bien rencontrer des gens qui seront très introvertis à 20 ans, 25 ans, pour X raisons, et qui, à un moment donné, vont cheminer vers autre chose, même si les extravertis, ça sera moins vrai dans l'autre sens, malgré tout. Mais cela dit, la meilleure place, c'est celle qui nous convient, après, sans être jugée. Et pour ça, alors moi, je suis praticienne en intelligence relationnelle avec une méthode qui s'appelle Allostriade, et où on fait un test qui ressemble à la méthode MBTI. Donc, ça donne des éléments, en fait, de diagnostic, de réflexion sur qui l'on est vraiment, et ça peut aider à l'orientation professionnelle, mais aussi des clés sur la relation qu'on va avoir avec les gens. Et donc, ça va donner des indicateurs après qui on est vraiment. Je crois qu'il y a quelque chose qu'il sait ici, qui s'appelle le cœur, et finalement, la seule voix de la raison, même si elle en est un peu loin, eh bien, ça serait celle-ci, parce qu'elle sait qui on est vraiment. Après... du coup, l'idée d'être, je crois que souvent aussi on dit, et ça peut être un biais du développement personnel, de dire on va tout lâcher, on va tout faire, machin, et presque avec une connotation d'égoïsme aussi. Mais voilà, après tout est équilibre en fait, hein. C'est pas tout blanc, c'est pas tout noir, il y a plein de nuances de gris, et finalement la vie c'est de savoir aussi en fonction de la situation, où il est où mon curseur, quoi, et elles sont où mes envies, et voilà. Tu auras des gens qui auront, peut-être que dans les jeunes qui nous écoutent là, certains d'entre eux rêvent d'intégrer un grand groupe pour un démarrage de carrière, etc. Et comme on en voit et comme on en rencontre à 30, 40, 45 ans, seront sur une envie plus de développement personnel, d'épanouissement, ou pas. Ah ouais, c'est tout à... enfin, je te rejoins complètement, quoi. Et là où... Oui, on peut avoir une envie aujourd'hui et dans 10 ans, dans 15 ans, avoir quelque chose. Et oui, parce qu'il y a les épreuves de la vie aussi. Les épreuves de la vie. Les épreuves. La vie est courte. Et après, il y a un autre truc aussi, qui est, on se fait souvent une idée sur le profil idéal d'un job. Donc, un comptable, ça doit être sérieux et pas rigolo. Un commercial, ça doit être extraverti et avoir un bon appétit pour aller au restaurant, je dis n'importe quoi, et ça, il faut aussi sortir de ça. Alors oui, il y a un profil qui est plutôt comme ça ou plutôt comme ça, mais pour moi, il n'y a pas de... Quand j'ai fait ces premiers tests de personnalité, je cherchais à avoir la bonne réponse. Et en fait, il n'y en a pas. Il n'y en a pas de bonne réponse. Et c'est ça qui est important de comprendre, c'est que, contrairement à un examen de fin d'année où il y a la bonne réponse et la mauvaise réponse, en termes de personnalité, il n'y a pas de bonne réponse. En revanche, il y a un matching qui se fait ou qui ne se fait pas en fonction du contexte, de l'entreprise, du dirigeant, enfin de plein d'autres choses. Et en fait, là, je rebondis sur ce que tu dis et qui, à mon sens, quand on a compris ça dans la vie, mais c'est un super cadeau qu'on se fait, sortir de notre polarité, sortir du côté binaire, vrai, faux, d'accord, pas d'accord, tort, raison, parce qu'en en fait, on est en quête de cette vérité tout le temps, et au final, on passera toute notre vie à la chercher parce qu'elle n'existe pas, et du coup, ramener ça toujours au juste, au pas juste, et c'est vrai qu'on a ces réflexes, hein, regarde, quand on s'exprime, souvent, les gens, quand ils s'expriment, vont dire, bon, alors, je ne sais pas si j'ai raison, ou j'ai peut-être tort, hein, dans ce que je vais dire, mais on a toujours cette espèce de colonne vertébrale, là, qui délimite le bon, le mauvais, et sortir de ça, c'est aussi s'offrir une réflexion sur à la fois, et là, je m'adresse aux jeunes, récemment, j'ai accompagné une jeune femme, alors, je le fais, c'était la fille d'une copine, hein, puisque c'est quelque chose que je fais... très rarement, et en fait elle était tétanisée, mais vraiment elle était tétanisée, elle avait peur de se planter de master, mais elle était vraiment tétanisée, elle, si je fais pas le bon choix je rate ma vie, comment ça, écoute ton cœur, fais un choix, et de toute façon tu apprendras des choses, quoi qu'il se passe tu vas apprendre des choses, et si tu dois changer après, tu auras toujours ce bagage, mais l'avoir dans cet état là ça montre aussi cette pression qu'on peut avoir à faire un choix sur la peur de se tromper. Voilà. Et c'était assez impressionnant.
voilà, de l'avoir dans cet état-là et de voir à quel point ça peut nous mettre en stress alors qu'elle avait tous les atouts en fait aussi pour réussir, enfin voilà, une famille aidante, on est plus ou moins bien équipé, hein, je veux dire, à un moment donné, il y a cette réalité-là, elle avait, on va dire, un tableau idéal, mais ce stress, la tétanie, comme un couvercle, une chape de plomb qui l'empêchait de se décider, et son avenir, en fait, à cause de ça, bah, son avenir, elle le voyait, elle le voyait avec la peur, en fait, alors qu'elle aurait pu y aller avec la joie de l'apprentissage, de la jeunesse, etc., bah pour elle, c'était le chemin de la peur, quoi. Voilà, c'était assez surprenant. Elle va bien. C'est bien d'être entourée aussi, d'être bien accompagnée aussi, c'est important. Ouais, c'est important, ouais. Ouais, et puis, accepter de tromper, la vie, elle est longue, elle est riche, il y a des passerelles maintenant, enfin là, je m'adresse aussi aux étudiants, enfin, il y a tellement de choix possibles aujourd'hui. Et puis, finalement, même si on pense qu'on s'est trompé, on ne s'est pas vraiment trompé. C'était un détour. On aura toujours appris. Voilà. Vous savez, même quand on fait un chemin, hein, quand on se trompe de route, hein, parfois on se trompe de route et puis on se dit « Ah bah tiens, t'as vu, il y avait ça. » Bah ouais, on aura appris quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'on y retournera ou qu'on y restera, mais au moins, on sait. Ça, c'est d'apprendre, oui. Voilà. J'aime bien votre façon de parler naturellement. Quand on vous entend, c'est comme si on écoutait un poème ou une histoire. Vous voulez que je vienne au Sénégal, c'est pour ça. Je vous ai vu arriver. Avec plaisir. C'est vrai, être naturel. Et comme vous avez dit, il faut de l'humour et de l'amour. Dans tout ce qu'on fait, ça vient naturellement. Donc, ça se voit en vous. Merci. Les jeunes, la classe, vous, elle réagit ou pas? Parce que je n'ai pas fait d'atelier de ce type là aujourd'hui. L'interaction avec la classe, peut-être. La classe est là. La classe est là. Je suis en retrait. La classe est bel et bien là. Est-ce que vous aimez les Kinder? Oui. Intemporel, les Kinder. Tu veux acheter? Non, non, tu ne le remanges pas. Non. Voilà. Vous avez des questions? Non. S'il y avait une question sur l'assertivité, et donc est-ce qu'on peut être assertif quand on ne l'est pas initialement? Est-ce qu'on peut travailler l'assertivité? Ah oui, c'était ma question. Qu'est-ce que tu en penses, Isabelle? Alors, c'est une très bonne question, vraiment. Et je vous remercie de l'avoir posée. Alors. En fait, globalement, l'assertivité, alors vous savez, il y a trois comportements en communication qui vont être les comportements, quand on communique comme ça, il y a trois voies de communication qui sont plutôt, qu'on va emprunter, donc vous devez les connaître, ça va être l'attaque, la fuite, la manipulation. Alors chacun, les mots sont toujours assez durs, mais en même temps, chacun des canaux de communication qu'on utilise a à la fois sa plus-value et a sa moins-value, c'est tout dépend dans quel contexte. Quand je vous parle, j'utilise l'attaque, alors que je ne vous attaque pas. C'est juste que s'exprimer en public, c'est l'attaque. En même temps, si je vous coupe la parole, c'est aussi de l'attaque. Et là, c'est moins bienveillant. Donc voilà, on a ces trois canaux de communication qu'on utilise, hein, tous de façon équilibrée, plus ou moins, en fonction de nos personnalités. Après, l'assertivité, ça va être plutôt, c'est ce qui va se rapprocher de l'affirmation de soi. L'assertivité, c'est plutôt, on va plutôt s'éduquer à l'assertivité parce que instinctivement, on est, vous savez, l'homme est un animal raisonnable, donc on a la raison, on a l'émotion aussi. Et en fait, en fonction de nos personnalités, on aura une tendance plutôt naturelle à aller soit vers un comportement plutôt introverti, en dedans, à plutôt écouter. Un peu des difficultés sur la prise de décision, par exemple, ou plutôt extraverti sur l'attaque, à prendre la parole, à argumenter et être plutôt dans une relation où on pourra aimer parler. L'assertivité, alors la bonne nouvelle de tout ça, c'est que l'assertivité, effectivement, pour moi, c'est plus quelque chose qui se travaille, c'est l'affirmation de soi. On pourra être naturellement plus assertif en fonction des personnalités. Après, voilà, ça se travaille vraiment. Je ne pense pas que naturellement, on soit assertif. Je pense qu'on le devient, on y travaille et c'est plutôt un comportement
de l'acquis que de l'inné, en fait, l'assertivité, parce que quand on communique, vous savez, quand on communique, les chers étudiants, vous savez qu'il y a le non-verbal, l'intention, le sentiment, donc il y a toute cette dimension émotionnelle qu'on va avoir dans nos relations. L'assertivité, c'est, alors je vais vous en donner la définition, mais vous devez la connaître, c'est être ni paillasson, ni hérisson, ni polisson, donc c'est être basé sur les faits. Et donc, c'est plutôt un apprentissage. Et donc, la bonne nouvelle pour répondre à votre question, c'est est-ce que ça s'apprend? Je vous dirais que oui. Ah, c'est une très bonne nouvelle parce que ça nous donne de l'espoir sur la possibilité de développer cette assertivité au fur et à mesure de nos enseignements et de nos expériences de vie. Merci. Voilà. Merci. J'entends plus rien. Donc Là, tu m'entends. Merci infiniment. Ça nous donne de l'espoir sur le fait que l'assertivité ne soit pas quelque chose qui relève de l'inné et que nous avons toutes et tous la possibilité de développer cette caractéristique et d'être beaucoup plus présent face à d'autres et devant d'autres ou devant d'autres publics. Après, de toute façon, par rapport à la communication liée à l'inné, c'est-à-dire qu'on est tous, et Renaud tout à l'heure parlait du MBTI, donc qui sont tous ces tests, on va dire, de personnalité et aussi en intelligence relationnelle, c'est qu'on est avec ce bagage de communicants, chacun d'entre nous, en fonction de notre personnalité. Et après, je crois que quel que soit, on a notre zone de talent de communicant et on a aussi ce qu'on va appeler nos angles morts. Nos angles morts sont ce qui va s'exprimer quand on est en situation de stress. Et ça va être nos travers de personnalité. En prendre conscience, c'est un sacré cadeau qu'on se fait parce qu'à partir du moment où on en prend conscience, ça nous permet de nous donner des axes de progrès. Alors après, savoir ses pouvoirs. Toujours savoir ses pouvoirs. Après, c'est vouloir. Ça dépend de chacun. Mais savoir ses pouvoirs, et ne serait-ce que des fois de mettre en évidence comme ça un angle mort dans nos personnalités, déjà, ça nous fait faire un premier pas et après, ça nous permet de le travailler. Et après, moi, j'ai côtoyé de très loin Bill Gates puisque j'ai travaillé chez Microsoft et donc je l'ai eu à quelques conférences. C'est assez amusant de voir le parcours de cette personne qui est typiquement, quand on pense à quelqu'un qui est à l'aise pour prendre la parole en public, etc., justement, on pense à quelqu'un qui est extraverti, qui est assez assertif, etc., etc. Bill Gates, c'était tout sauf ça. Et pourtant, devant des assemblées de plus de 10 000 personnes, j'ai rarement vu une salle avoir autant d'attention pour quelqu'un qui parlait et qui, en termes de technique de communication, n'était pas exceptionnel. Et il avait fait tout un parcours avant. Et c'est pour ça qu'il avait cette aura. Moi, c'était c'était vers 2005 que j'ai rejoint Microsoft. Il avait cette aura et c'est pour ça qu'il avait cette attention. Mais il a bâti cette aura au préalable au travers de ce qu'il avait réalisé. Et ce qu'il avait réalisé, ce n'était pas des événements de communication. Et donc, sur le parcours pour apprendre, si on est quelqu'un d'extrêmement introverti et qu'on se dit je voudrais pouvoir être plus assertif ou pouvoir prendre la parole en public, ça ne va pas se faire en un jour. Et il faut avoir cette politique des petits pas et des succès parce que ça va prendre du temps. Ce n'est pas grave. Vous avez d'autres qualités. Il faut utiliser vos qualités, mais il ne faut pas chercher forcément à aller là où, justement, on a ce qui manque. Enfin, on n'a pas ce qui manque. Donc, utilisez plutôt vos forces. Regardez le périmètre juste un petit peu au-delà. C'est-à-dire que vous êtes très introverti. Et bien, regarder quelque chose qui nécessite d'être un petit peu plus extraverti, mais pas de danser devant 50 personnes sur une scène. Et par étapes, vous allez pouvoir progresser. Mais je pense, il ne faut pas non plus essayer de se dénaturer. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, il n'y a pas de bonne réponse au profil. Il y a juste se connaître ses forces et ses d'amélioration, et ça c'est aussi quelque chose que j'ai appris avec les anglo-saxons, on n'a pas des forces et des faiblesses, on a des forces et des points d'amélioration. Et quand on raisonne comme ça déjà, on voit les points d'amélioration très différemment que quand on dit faiblesse, c'est un acquis, c'est terminé, on ne pourra jamais rien y changer. Et ça c'est un truc qui est intéressant aussi, de regarder vos points d'amélioration
et se dire, OK, sur lesquels je vais bosser et quelle petite prise de risque je vais prendre sur ces points-là, parce que ben, il va falloir en prendre un petit peu, mais pas des énormes non plus, parce que sinon, là, vous risquez le gadin et ça va être plus compliqué de retenter sa chance. Christophe, tu avais des trucs à dire? Allez, tiens, je te balance la palette à tout. Non, sur l'assertivité, alors c'est un joli mot. Vous, peut-être, vous l'employez, mais Isabelle, puisque c'est ta profession, mais moi, en tant que commercial, la seule chose que je peux retirer, et puisqu'on a un public d'étudiants, voilà, leur donner une expérience qui est vraiment personnelle et c'est du vécu, et puis c'est de l'authenticité. C'est que je suis commercial, je suis plutôt introverti qu'extraverti, donc parfois la parole n'est pas innée, donc quelque part ce travail se profile, on essaye toujours de, moi c'est mon refrain, tous les jours apprendre quelque chose, peu importe l'âge, mais tous les jours apprendre quelque chose, mais pour être asserti quelque part, pour pouvoir s'exprimer de façon plus libre et avoir beaucoup plus confiance en soi. Chez moi, il y a eu un déclic. Et ce déclic, parce que j'ai une autre passion. J'ai le commercial. Là, tu parlais tout à l'heure du cœur. Il faut faire les choses avec du cœur. Et parce qu'au moins, on est soi-même. Et ça permet de se dire, tiens, c'est peut-être pas le chemin que je souhaite continuer. Je m'arrête et puis je prends un autre chemin. Et quand on fait les choses avec passion, et pour revenir donc à l'essence même de ce que j'étais en train de dire, pouvoir mieux s'exprimer et avoir plus de confiance en soi, étant, je pense, être introverti, le fait d'entraîner des petits à l'âge de 17, 18 ans, de me retrouver en face d'un public de 15, 20, 30 personnes, aujourd'hui j'en ai 50, donc ça fait 30 ans de plus, tout ça, ça permet inconsciemment de s'affirmer, de se connaître soi-même et de prendre confiance aussi en soi. Parce que dès qu'on parle à un public, eh bien, oui, on va préparer aussi ce qu'on a à dire. Au fil du temps, ben, on prépare moins de choses, entre guillemets, on prépare un canevas. Moi, j'ai un squelette puisque je suis éducateur, je suis entraîneur de foot aussi. Donc mes discussions d'avant-match qui durent 20, 30, 40 minutes, je les prépare en faisant un footing le dimanche matin d'une heure et j'ai mes trois grandes idées et puis après je bâtis autour de mes idées principales. Mais pour en revenir, que l'assertivité, pour beaucoup, c'est pas inné, ça s'apprend, ça se cultive, ça se peaufine, ça se travaille. Et après, ben, il faut sortir de sa zone de confort. Et c'est vrai que parfois, ben, c'est pas évident. Hein. Si on veut rester au fin fond de la table et rien dire, rien communiquer, ben, c'est clair que ça va être très compliqué. Mais moi, j'ai vu des gens au fil du temps qui sortaient pas deux mots, trois mots dans des réunions. Et puis, ben, au fil des ans, au fil des mois, là, il prenait confiance en soi et puis il s'exprimait. Et je pense que voilà, on n'est pas tous fait pareil, on est tous différents les uns des autres. Parfois, le chemin est un peu plus long pour avoir confiance en soi, mais c'est réalisable, voilà, et c'est largement faisable. Et après, je pense que, je le répète, il y a ce que tu dis avec le cœur, et moi, ce que je dis, c'est de faire les choses avec beaucoup de passion. Quand on fait les choses avec de la contrainte, parce que c'est notre travail, bien entendu qu'il faut un salaire, qu'il faut une rémunération pour vivre, mais si c'est uniquement que des obligations, on va dire, alimentaires et de vie, on ne s'éclate pas. Et quand on fait les choses avec passion, alors après, faut-il pouvoir vivre de sa passion, ça c'est un autre discours. Mais quand on fait son métier avec passion, ben déjà ça se voit de suite, ça s'entend aussi, et ça permet tout simplement d'être en pleine confiance. Donc quand on est étudiant, il faut oser. Je pense qu'au 21e siècle, ben, on n'avait
peut-être pas les mêmes choses qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, tout ça. Donc, il faut vivre avec son temps, il faut évoluer avec son temps et pas rester sclérosé, ne pas vouloir apprendre. Et la confiance en soi, s'exprimer et s'affirmer, je dis que ça doit venir. Voilà, si je peux m'exprimer de cette façon. Merci. Au niveau du lycée Jean Monnet, c'est une classe de quoi qui nous regarde là ? NRC. NRC ? NRC. NDRC. Négociation et digitalisation de la relation client. Ouais. C'est l'évolution du BTS force de vente. Ouais, j'ai donné des cours. Je trouve que les classes NDRC, NRC, c'est une des meilleures classes que j'ai eues. Je pense qu'ils sont très contents. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je veux dire que ça a été très rassurant d'entendre ces propos. Voilà. C'est bien parce que ça leur donne du temps. Ça leur donne du temps de trouver leur voie et de trouver leur aspiration. Et cela va contribuer à leur donner confiance en eux-mêmes. Voilà, ils sont très contents. Je pense qu'ils sont très contents du contenu. Ok. Jusqu'à quelle heure on avait là ? On a jusqu'à 45, je crois, mais on peut tout à fait rejoindre votre sujet qui est comment mieux exploiter LinkedIn. Ouais, bah oui, parce que 45, là, quelqu'un a autre chose à dire. Fatou, Moi, je voudrais avoir le point de vue de Christophe sur le match de ce soir, quand même. C'est quoi ton pronostic, Christophe ? Alors, pour la petite particularité, puisqu'il y a Fatou, et je vois qu'Isabelle revenait du Sénégal, c'est ça ? Guinée, oui. Guinée, pardon. J'ai un collègue, moi, qui est sénégalais, qui habite dans la région de la Casamance et particulièrement à Abéné. Et depuis 2 ans, 3 ans, alors ça, je le fais sur Facebook, mais je le fais aussi sur LinkedIn parce que je partage deux tiers ce que je suis dans le monde de mon travail et puis un tiers qui je suis réellement le week-end. Et le week-end, comme je vous ai dit, je suis aussi entraîneur de foot. Et on a mené une action qu'on a fait avec passion, qu'on a fait avec du cœur. Et on a un remerciement énorme. Alors, c'est pas un remerciement, pour moi, c'est le meilleur remerciement. C'est le remerciement du cœur, des larmes qui peuvent être sincères. C'est en récupérer tout ce qui se jette dans différents petits clubs de foot, de sport, des crampons, des vieux ballons, des ballons crevés, des vieux maillots, des chasubles, du matériel. Et on envoie une fois par an dans la région de Casamance, dans ce petit village d'Abéné, qui ensuite s'est dispatché dans tous les autres petits villages. Ben, tout ce matériel qu'on récolte, voilà, c'est un conteneur et puis moi c'est un collègue donc qui est africain, hein, qui est sénégalais, Joseph Diassi il s'appelle, et on fait ça, ça ne coûte rien, on envoie tout et puis on a au moins une sincérité des gens qui n'ont pas ce qu'on a ici sur le vieux continent et qui récupèrent tout et ils ont des larmes de joie, voilà, c'est un plaisir énorme. Alors nous on jette et eux récupèrent et ça leur donne pas du rêve mais ça leur donne de la joie, la possibilité de pouvoir s'exprimer, de pouvoir pratiquer du sport, du foot et de pouvoir s'équiper et voilà. Et donc c'est vrai que je rejoins entièrement ce que tu disais que quand tu es revenu, voilà, ça te fait comme un pincement au cœur parce que moi ne serait-ce que sur une vidéo quand je vois 12 gamins qui récupèrent une paire de crampons, je l'avais posté sur LinkedIn et qui disent merci Christophe. Merci Christophe. Merci Christophe. Merci Christophe. Et pour nous, c'est pas beaucoup. Pour eux, c'est énorme. Après, dans pas longtemps, j'espère pouvoir y aller. Et ouais, je te le souhaite. Ah ben oui.
au moins profiter de l'authenticité des gens comme ils sont réellement. Voilà. Tu sais, ce qui m'a le plus marqué quand je suis partie de Guinée, de cet orphelinat, c'est que, alors, avec moi, mais avec tout, on était 20, hein, donc les enfants nous accrochaient et pleuraient à chaudes larmes, alors que finalement, hormis notre présence, on ne leur avait rien donné. On était là, on a fait des ateliers, etc. Donc, mais il y a une espèce de... En fait, c'est hyper, et tu verras quand tu vas y aller, je crois qu'on a du mal à décrire tout ce qu'on vit quand on part là-bas. Et j'essaie même plus de l'expliquer, parce que je crois que quand j'essaie, on me prend un peu pour une folle. Je veux dire, elle est partie, tu sais, elle est partie 10 jours. Mais voilà, je ne sais pas. Est-ce que ça nous remplit d'un truc peut-être qui nous manque aujourd'hui et qu'on a au fond de nous, hein, malgré tout, mais qu'on a perdu. Voilà. Et ça nous rappelle peut-être des choses qu'on avait, qu'on a perdues et qui nous manquent. Tu parlais de simplicité tout à l'heure. Et je crois que moi, je suis en quête. Tu as dit un mot tout à l'heure qui est énorme, c'est la simplicité. Mm-hmm. Voilà. Et la simplicité, aujourd'hui, c'est vrai qu'on fait tout pour se différencier, pour être différent des uns des autres, mais parfois on en arrive à perdre notre propre personnalité. Donc, la simplicité des échanges, des discussions, des rencontres, pour moi, ça n'a pas de prix. Le temps présent, parce que comme le disent les Africains, j'ai appris ça, les Européens, vous avez une montre et nous, on a le temps. Ouais. En fait, Monsieur Christophe, il a parlé de Casamance, c'est au Sénégal. Peut-être qu'il y a Casamance en Guinée, mais Casamance, c'est au Sénégal. Oui, c'est au Sénégal. Hein. Moi, j'ai un collègue qui s'appelle Joseph Diassi. J'ai communiqué, si tu vas sur LinkedIn, tu verras, si tu regardes mes posts, tu verras. Son épouse donc, est française, donc lui, il est sénégalais. Son épouse s'appelle Marie-Pierre Diassi. C'est ses parents qui étaient au Sénégal et qui ont une maison aussi là-bas et qui ont une association une belle région caritative, caritative aussi sur Saint-Rémy-de-Provence et récupère, et par l'intermédiaire de cette association, moi, puisque je suis éducateur de foot, j'ai sollicité à tous les petits clubs en leur disant d'une idée très simple, hein, nos enfants font du sport, ils oublient régulièrement des cahouets, des blousons, des shorts, des chaussettes, des crampons, des ballons, etc., etc. Et puis, en fin de saison, ça représente des mètres cubes de vêtements. Et puis, les ballons qu'on renouvelle, 20, 30, 50, 100 ballons qu'on renouvelle, et qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, on les jette. Et là, on a tout récupéré. Il y a 5-6 clubs qui ont participé. Et puis, on a tout envoyé. Et puis, voilà, de voir la joie de ces gens. Et... Ah oui, ça, c'est bien. Et l'éducation des gens. C'est l'éducation, parce qu'on perd beaucoup d'éducation. C'est une éducation voilà, je veux dire, qui est simple, mais c'est une valeur. Et ces valeurs-là, je trouve que dans notre monde d'aujourd'hui, comme on est aujourd'hui, on les oublie. Voilà, oui, bien sûr. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, Estelle, vous voulez dire quelque chose? Ou pas, comme vous voulez. Bon, ça va. J'ai écouté, tout va bien. Et donc, vous faites quoi, Estelle, alors? Juste parce que je vous ai croisé sur plusieurs salles, là, donc du coup... Moi, je viens de créer mon entreprise de brocante et de création de relooking d'objets vintage, en fait. Ok. Voilà, donc je suis sur Instagram et un peu sur Facebook. Et j'essaie de développer ma boutique, en fait, sur Instagram. Ça s'appelle comment? Sur Insta, je vais aller vous chercher. Voilà, donc on m'a dit Créa Déco 34. D'accord. Ah, vous êtes dans le 34 alors? Voilà, moi je suis dans l'Hérault. Ok. Et voilà, donc ma différence, c'est un peu ma créativité et puis la sensibilité que je mets dans les objets que voilà que je reloue, que je fabrique et voilà. Ok. Ouais, je suis toujours fascinée par les gens qui sont doués de leurs mains.
Ben oui, et puis comme on parlait tout à l'heure, c'est vrai que depuis toute petite, en fait, j'adore la créativité. Sauf qu'après, on est un peu formaté avec la scolarité et du coup, on prend un tout autre chemin. Et ensuite, bon, la vie personnelle fait aussi que j'ai pris un autre chemin et pour à 40 ans, en arriver à, voilà, au point de départ, d'accord, à pouvoir créer mon entreprise dans la création. Voilà. Et c'est vrai que je pense aussi l'expérience de vie, comme vous avez dit, les épreuves, parce que j'ai eu beaucoup d'épreuves, du coup, font qu'au bout d'un moment, on a envie de se retrouver, d'être authentique. Mm-hmm. Voilà, c'est ce qui a été. Et d'assumer, d'oser aussi faire ce qu'on aime et ce qu'on a envie. Et c'est pour ça que finalement, ça doit aussi, et là, je m'adresse aussi aux plus jeunes, ça doit, parce que la vie va nous donner voilà, son lot d'épreuves, de joie, enfin voilà, c'est la vie, quoi. Oui. Finalement s'autoriser à quand on prend des choix, à pas être tétanisé par le choix, parce que enfin voilà, la vie c'est une succession de choix de toute façon, et à un moment donné, bah, comme il y a peu de rencontres, enfin il n'y a pas de hasard dans les rencontres, et ben bah, voilà, parce que en fonction de ce qu'on va vivre, il pourra y avoir des virages, des 360 degrés qu'on n'aura pas prévu. Voilà. Et je dis toujours, imaginez, et ça les jeunes, mais je vous le dis avec mon cœur, hein, alors les plus vieux aussi, mais nous on a cheminé déjà. Imaginez si dès la naissance, tout était figé, quoi. Oui. Donc, ouais. C'est une rose. Imaginez. Ouais. Donc, laissons-nous aussi nous surprendre. Bien sûr. Voilà, je l'ai mis dans les commentaires. J'aime bien cette notion de surprise et dans le discours que tu as tenu, Isabelle, et avant toi, Christophe, j'ai senti que le mot bienveillance n'était pas dit, mais était à portée de lèvres et à portée de cœur. Est-ce que ça évoque quelque chose pour vous, la bienveillance ? Oui. Alors, à Isabelle et à vous, les étudiants. Ah, pardon, allez les étudiants. D'abord à toi, Isabelle, et à Christophe, et à tous ceux qui veulent prendre la parole, bien évidemment. Alors, oui, la bienveillance, même si... je veux dire que la bienveillance, de mon point de vue, ça a été un mot qui a été à la mode à un moment donné, peu galvaudé. Maintenant, c'est gratitude. Hein, on ne peut pas faire un truc sans qu'on ne dise pas gratitude. Donc, chaque mot a son petit moment, son petit moment phare. Donc, en même temps, c'est bien de parler de la bienveillance parce que si ça peut la diffuser. Je crois que tout ça, avant tout, avant même de le nommer, c'est une attitude. Et je crois que quand on est sincère avec les gens, quand on est authentique, quand on est bienveillant, on n'a pas besoin de le dire parce que finalement, ça se sent. Et donc, oui, je suis une adepte de la gentillesse, oui, à la bienveillance, et puis au respect, en fait, au respect de l'autre, dans ce qu'il est, pour ce qu'il est, en sachant que le respect, ça va dans les deux sens, hein, bien évidemment. Oui, à la bienveillance, et puis après, il faut aussi, alors bienveillance, assertivité, c'est un mot qui a été aussi pas mal utilisé. Je crois qu'à un moment donné, il faut aussi savoir dire stop, si, voilà, dans une relation, parce qu'à force de prôner trop la bienveillance, bah, on oublie que parfois, il faut aussi dresser un cadre et puis savoir dire non. Et puis voilà. Donc, mais le tout, toujours avec respect. Voilà. Entendu. Merci beaucoup. Ce n'est pas que j'ai du mal à m'exprimer là-dessus sur la bienveillance, mais je pense que c'est propre à la personnalité des personnes. Je ne vais pas dire qu'on est malveillant, c'est pas ça. Mais parce que le respect, ce que vient de dire Isabelle, c'est déjà respecter une autre personne, écouter une autre personne. Quand on dit être bienveillant avec les autres, c'est être soi-même et beaucoup de respect. Voilà, pour moi, le respect, ça va avec bienveillance. Après, c'est mot à la mode. Ouais. On parle beaucoup aujourd'hui de bienveillance. Mais après, je pense qu'il faut être soi-même, se respecter soi-même et respecter les autres comme ils sont. Et on est tous différents les uns des autres et on n'est pas tous fait pareil. Et la moindre des choses, c'est de respecter toutes les personnes.
Pour moi, la bienveillance, je dirais que c'est faire aux autres ce que vous voulez qu'on vous fasse et ne pas faire aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Tout ira bien. C'est juste ça. Et si déjà on fait ça, les autres comme vous-même. Faire comme si vous étiez devant un miroir, en face de quelqu'un d'autre. Après, tout à l'heure, on parlait de dictature et je crois qu'il y a eu un peu une dictature sur ce mot-là, bienveillance, pareil, où on nous mettait à toutes les sauces. Je crois qu'en fait, c'est ma conviction que on a ce qu'il faut pour que ça se passe bien les uns et les autres. Quoi. Oui. Et puis voilà, bah, on peut aimer les gens et pas aimer tout le monde, il faut aussi accepter ça. Après, on compose. Voilà, on compose avec ce qu'on est, notre émotion, notre voilà, parce qu'on est, pour finir, je vous dirais ça en ce qui me concerne, on est différent comme tout le monde et unique comme personne, voilà. Donc, voilà, faisons oui. avec ça. J'adore ça. Voilà. En tout cas, merci. Merci, Patou. Ouais. Il y a une fenêtre qui est apparue dans mon Zoom et j'imagine que c'est le cas pour tout le monde. Oui, je l'ai fermé. On va bientôt se faire fermer la session. Et Loïc va nous rapatrier Manu Militari. C'est ça, par le col. Merci aux élèves, c'est sympa d'être avec vous. Merci. Merci et allez-y, hein, osez, le chemin n'est pas tout tracé, vous prendrez des virages et c'est pas grave, au contraire. Et puis vous prendrez des claques aussi, mais une claque c'est bien, ça veut dire qu'on est en vie. Voilà, il faut un peu de fun dans tout ça aussi. Voilà, ok, bon, bah écoutez, merci à tous. Et puis on se retrouve sur l'autre alors. Oui, c'est ça, allez, je pense que ça va se faire tout seul. Oui, vous pensez ? Dans 10 secondes. D'accord. Je veux vivre l'expérience. Ah oui, allez, on va jusqu'au bout. Comme dans les films. 3, 2, 1. Et... Ah bah non, mais c'est trop tard. Attends, juste une seconde. Vas-y, dis quelque chose pendant que j'arrête les records. Vas-y, dis quelque chose. Alors, en fait, le job, c'était de meubler, en fait, si j'ai bien compris. Donc, écoutez. Alors, bien sûr, les réseaux sociaux, c'est déterminant. C'est ce que j'appelle, moi, l'humain augmenté. On est dans une époque aujourd'hui où on ne peut plus vivre.